salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes une belle semaine de relâche. Écoute, on est mardi déjà aujourd'hui, puis ça va vite, vite, vite. Là, j'ai regardé, puis vraiment, la semaine prochaine, là, je sais pas si c'est parce qu'on était au début du mois, là, mais il y a moins de spéciaux, je te dirais, en général. Il y a des beaux spéciaux, là, c'est sûr. Bien, il y a des spéciaux qu'il y avait une pause, bien, cette semaine, là, dans le fond, qu'il n'y aura pas la semaine prochaine. Puis vraiment, là, ça paraît. Puis si tu veux avoir une belle semaine de relâche, des fois, je te dirais, là, vas-y, cherchez ce que tu as besoin. Parce que la semaine prochaine, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est certain. Donc, commençons tout de suite. Hein, je vais te montrer, en fond, les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine du 5 au 11 mars, imagine. Donc, écoute, le numéro 1. Le poulet frais entier. T'es là, vraiment chez IGA, à 1,79 la livre, tu peux faire 3,95 le kilo là, pour le vrai gros poulet. Là, super beau. Ça, il n'y a pas de poulet entier la semaine prochaine dans le spécial, nulle part. OK? Juste que tu le saches. Il y a des cuisses, mais il n'y a pas de poulet entier. Numéro 2, écoute, le rôti français beefsteak. Ou le beefsteak. Tu l'as rôti, tu l'as en beefsteak. À 3,49 la livre, tu préfères 7,69 le kilo. La semaine prochaine, il n'y a pas de rôti comme ça. Ils font par contre des cubes, des lanières à 11 piastres le kilo, trop cher, juste parce qu'ils ont touché, là, puis ils ont coupé. Dans ce cas-là, tu peux l'avoir toi cette semaine, la même chose, à 7,69 le kilo. Donc, sur 20. Quasiment 4 piastres le kilo, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, vas-y. OK, numéro 3. Numéro 3, écoute, le yogourt Astro. Moi, je l'adore, le yogourt Astro. Là. C'est mon yogourt. Il y en a plein de sortes aujourd'hui. Ils sont tous bons. Ils sont tous bons. La sauce, il y a plein de yogourt. Écoute, ils sont tous super bons. Mais le yogourt Astro, là, vraiment, il est plus crémeux. Il est vraiment, il a une texture, là, j'adore ça. Puis il est vraiment pas cher, là, 1,77. Là. La semaine prochaine, il y a des yogourts pas mal partout, mais à 1,99. À 1,77, tu l'auras pas. Donc 22 cents, c'est sûr que c'est 22 cents, mais sur 2 piastres, c'est quand même pas mal. Là, tu sais. Surtout qu'à 1,99, il est déjà en spécial, donc il est encore plus une coche. Là, tu sais. Fait que ça a bien du bon sens. Puis du yogourt, ça se garde tellement longtemps. D'ailleurs, fais-toi pas à date de péremption, quand tu l'achètes, oui, tu essaies de pogner celui qui est plus long, le plus loin possible, là, c'est certain. Mais même si tu arrives chez toi, puis après ça, il passe date à un moment donné, puis je sais pas pourquoi là, tu ne l'aurais pas mangé encore, mais il est encore bon. Hein? Je te le dis, là. Oui, moi, j'en mange, je te dis, c'est sûr. La numéro 4, écoute, le porc haché Mimec chez Maxi, à 2,48 la livre, ou tu peux faire 147 le kilo. Il n'y a pas de porc haché Meg, pas Meg, Mimec, extra Meg, il n'y en a pas. C'est une prochaine. Ben, il y en a, mais pas en spécial, pas comme ça. Donc, c'est ça que tu cherches cette semaine. C'est ça que tu veux faire comme souper. Ben, je te conseille d'aller chercher avant mercredi demain, 22h. Hein? C'est chez Maxi. La numéro 5, écoute, la poitrine avec l'os, là, tu sais, la belle poitrine avec l'os, la peau, à 2,49 la livre, ou tu préfères 5,49 le kilo. Ça, il n'y a pas ça la semaine prochaine. Oublie ça. Il y a juste des cuisses la semaine prochaine. Il n'y a pas la belle poitrine effrayante, là. Fait qu'écoute. Tu le sais. Le numéro 6, écoute, la cuisse de canard confite. Ça, là, c'est sûr que c'est pas récurrent. À 9,99 la boîte, là. Non, il n'y aura pas la semaine prochaine. Ça, tu peux oublier ça tout de suite. Mais là, si tu veux, il y en a encore cette semaine, puis c'est tellement facile à faire. Tu vas avoir ma petite recette, là, sur le site de Papa Popote, là. Comment je fais ça? Le numéro 7, écoute, l'épaule de porc pique-nique. Hein, ça, là, c'est comme la rôti de palette. Ben, tu sais, moi, je fais quasiment pareil. Sauf que la petite sauce que je vais avec, là, je le fais au sucré. Là, j'aime ça là, avec la cassanade. Petite sauce hoisin que je mets là-dedans avec du jus d'orange. En tout cas, ma petite recette, à un moment donné, je te montrerai ma recette. En tout cas, il y a tellement de recettes, tu peux aller voir sur Internet. Mais ce qui est le fun, c'est que là, l'épaule pique-nique est à 1,29 la livre, ou tu préfères 2,84 le kilo. Là, c'est vraiment donné. Tu sais, à ce prix-là, c'était pas grand-chose, là, franchement. Fait que vraiment, je te conseille. Si t'as le goût de manger ça, si t'aimes ça, tu peux faire du porc, il faut lâcher avec ça. Tu peux faire plein de choses. Je peux faire un souper avec des patates, des carottes, là, mais tu peux faire des filochés au barbecue, plein de tellement d'affaires, tu peux faire ça, c'est effrayant. Le numéro 8, écoute, le filet de saumon. La semaine prochaine, il y a du filet de saumon à 8,99 la livre, mais là, il est à 7,99 la livre. Ou tu préfères 17,61 le kilo. Ça, écoute, c'est chez Super C. Vraiment pas cher. C'est là qui est le moins cher. C'est certain pour le filet de saumon. C'est tellement bon. Hein? D'ailleurs, j'espère que tu as vu ma petite recette, hein? Le saumon à la moutarde de Dijon. Hein? Ouais, ça, parce que c'est facile. Le numéro 9, écoute, le bœuf haché Mimec.
La semaine prochaine, il y a du bœuf haché extra maigre à deux places, à 3,99 la livre. Mais là, si tu cherches moins cher, puis ben, moins bonne qualité, ou bien pas qualité, mais plus gras, donc du bœuf haché mi-maigre à 2,88 la livre, ou si tu préfères 6,35 le kilo. C'est sûr. Hein? Ça a du bon sens. Ça, c'est bon, ça. Le numéro 10, écoute, finalement, le fromage cracker barrel. Ben oui, toi. 400 grammes, 4,97. Hein, ça, c'est son prix. Il est rarement moins cher que ça. Je ne me souviens pas l'avoir vu moins cher que ça. Puis 4,99 normalement, là, 4,97. On s'entend que c'est le prix, son prix en spécial. Moi, j'aime bien l'extra fort, le cheddar extra fort, là, c'est top. Vraiment, là, j'ai juste cela, dans le fond. Si je veux me marbrer, je vais prendre le petit Québec. Si je veux le cheddar extra fort, je vais prendre le cracker de barrel. Parce qu'il y a vraiment une coche, là. Il est bon. Il est vraiment bon. Je le mets partout. Dans mon smooth meat, dans mes sandwichs. Je peux me faire des petits des sous-marins avec ça, comme fromage. Écoute, ça rehausse, bien sûr, n'importe quel sandwich, là, un fromage comme ça, là. C'est évident. Hein? Puis tu peux t'en faire en cube, si t'es cochon. Tu peux t'en faire en cube, manger ça avant le souper. C'est pas vraiment des. Non, faut pas faire ça. Fait que écoute, c'est ça qui est ça pour les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine. Fait que profite-en, il te reste 2 jours. Fait que là, tu sais. Fait qu'au moins, tu sais que tu peux se trouver de l'argent et économiser énormément. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.